Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans l'émission Santé d'abord et ce soir, nous évoquons les événements psychotraumatiques et la reconstruction de soi. C'est vrai que chacun d'entre nous a probablement au moins une fois vécu dans sa vie un événement traumatisant, un événement qui nous a littéralement rendu malade psychologiquement. Quels peuvent être ces événements et leurs conséquences tant sur notre santé générale, aussi bien que sur notre vie sociale? Et comment faire pour s'en sortir? Existe-t-il une thérapie pour guérir certaines blessures qui semblent parfois incertaines? Nous en parlons ce soir dans cette émission avec le spécialiste de la santé, un professionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Santé d'abord, c'est parti avec le jingle. Voilà notre invité de ce soir. Il s'agit du professeur Dassa Kolou Valentin Charles. Il est psychiatre et stress counselor. C'est-à-dire que, professeur, vous êtes un psychotraumatologue, n'est-ce pas? Absolument. Bonsoir, merci, professeur Carole. Dassa. Bonsoir, Carole. Comment merci, allez-vous? Merci de m'inviter sur ce plateau et je vous suis reconnaissant pour tout l'intérêt que la TVT et vous-même portez pour la santé mentale. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir également dans cette émission. J'espère que vous vous portez bien. Absolument, comme vous le voyez. Très bien, on rend grâce à Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler ce soir des événements psychotraumatiques et la reconstruction de soi. D'emblée de jeu, première question, hein, c'est une évidence, dites-nous, qu'est-ce qu'un événement potentiellement traumatique? Très bien. Alors, je vais aller en des termes très simples. Très simple. Pour vous dans dire un français facile. Facile. Très bien, je suis d'accord. Alors, pour dire qu'un événement est psychotraumatogène ou psychotraumatique, il y a deux conditions. Mm-hmm. La première condition, c'est qu'il faut que ce soit un événement hors du commun, qui, par sa brutalité, sa soudaineté, sa violence, laisse l'individu dans l'impuissance et le froid, c'est-à-dire dans une grande frayeur. On parle aussi d'épouvante. La deuxième condition, pour que ce soit psychotraumatique, il faut que cet événement expose l'individu au réel de la mort, c'est-à-dire soit à une menace de mort, à une menace contre son intégrité physique, contre, en fait, l'individu est face au réel de la mort. À un danger. À un danger mortel. Mm. Voilà. Voilà les deux conditions pour que l'événement soit psychotraumatogène. Mm. Mais est-ce qu'un événement traumatique peut engendrer de façon systématique un traumatisme psychique ou bien psychologique? Heureusement, non. Heureusement, mm-hmm. non. Vous voyez, nous avons des statistiques. Mm. On évalue à peu près qu'un événement traumatique peut engendrer des difficultés ou des séquelles chez à peu près 10 à 12% de la population. Mm-hmm. Un peu entre 5 et 6% d'hommes qui font face à un événement psychotraumatique peuvent avoir des séquelles contre 10 à 13% chez la femme. Donc vous voyez qu'heureusement, plus de 80% des sujets qui font face à un événement psychotraumatique s'en sortent très bien et ne sont pas traumatisés à la fin. Lorsque vous parlez de séquelles, professeur, ça veut dire que la psychologie de la personne va être atteinte? Absolument. C'est-à-dire que face à cet événement, le psychisme de l'individu va garder une image du traumatisme. Si dans bien son que, subconscient. Dans son subconscient, dans son inconscient, si bien qu'à chaque moment, l'individu va avoir en image ce traumatisme qui va le hanter et cela peut revenir dans les rêves ou même en plein jour. Et en fait des cauchemars. En fait des cauchemars, exactement. Mmh. Ou en plein jour, et l'individu, face à ce phénomène, va avoir des comportements inadaptés. Soit il évite les sons, les lumières, les véhicules. On va parler de ces comportements, voilà, bien de ces attitudes causées par ces événements, mais dites-nous, professeur, quelles sont les différentes situations qui peuvent engendrer ces genres d'événements, par exemple? Généralement, on distingue deux types. Dans la première catégorie, nous plaçons les événements intentionnels.
Vous voyez, il y a des événements intentionnels qui peuvent être psychotraumatiques. Je prends l'exemple des conflits, les conflits armés, la guerre. Je prends l'exemple aussi des violences conjugales, des maltraitances à l'endroit des enfants, les braquages, les viols, les prises d'otages, et ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est des traumatismes intentionnels. Maintenant, il y a des événements non intentionnels. Des événements naturels. Exactement, les catastrophes naturelles ou les catastrophes industrielles. Vous avez en idée, il y a quelques semaines, l'explosion des minerais dans un port au Liban. Vous voyez, c'est des catastrophes. Des images effroyables. Effroyables. Hein. Voilà, ouais, on a suivi ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Et il peut s'agir des inondations, des incendies, l'invasion des criquets. Des criquets dans, à l'est du continent, mais aussi les accidents de route, de véhicules, de bus, ou d'avions, ou de trains. Voilà. Et ensuite, il y a aussi dans ces événements non intentionnels ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est les pandémies mortelles. La coronavirus, le coronavirus, eh bien, beaucoup d'autres pandémies mortelles aussi font partie de ces événements non intentionnels. D'accord. Alors, certains événements sont-ils traumatisants plus que d'autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des événements traumatiques complexes? En termes de thérapie, si nous voulons parler de la thérapie, est-ce qu'il y a des événements qui sont plus complexes que d'autres? Absolument, absolument. Généralement, pour aller plus simple aussi, vous avez, il y a des événements simples. Je prends l'exemple d'une catastrophe, d'un accident d'autobus. Ça a un début et une fin brusque. Bien, ça c'est des traumatismes uniques. C'est simple. Maintenant, les événements complexes... Vous parlez de la simplicité lorsqu'il survient un accident où il y a mort d'homme, par exemple? Exactement, mais c'est qu'il y a un début et une fin brusque. OK. Dans les événements complexes, ce n'est pas du tout ça. Ça dit que c'est des événements... Il y a une continuité. ...répétés, justement. Ou alors, c'est un événement unique, mais avec des conséquences très lourdes qui durent dans le temps. Ça devient abusif ou chronique. Je prends l'exemple de la torture, par exemple. Ou bien, vous voyez, les problèmes de migration. Les migrants sont laissés à eux-mêmes dans le désert, font face aux règles de la mort. Ils sont victimes de viols, de braquages, et ils prennent les bateaux pour aller en Europe. Ils peuvent se noyer. Vous voyez, la succession d'événements psychotraumatiques font partie des événements complexes. Très bien. Nous allons y aller tout de suite avec le tout premier sujet de cette émission. Lorsqu'on parle des événements traumatisants ou bien psychotraumatiques, des gens ont-ils une idée? Quels sont, selon Larru, les événements dont on parle ce soir, mais dont nous parlons ce soir, et comment aider les personnes victimes à s'en sortir? Quelques citoyens se sont prononcés sur quelques aspects de ces questions. Nous les écoutons tout de suite dans ce micro-totoir. D'entrée de jeu, les événements de la vie sont multiformes. Et donc, à ce point, on dirait que chacun à sa façon de gérer ça. Le constat que moi j'ai eu à faire autour de moi, c'est souvent ceux qui, dans leur vie, ont eu de l'argent et après tout, ils sont tombés dans des problèmes où ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Aussi, nous remarquons souvent dans les familles, il y a ceux qui cherchent souvent des enfants par, disons, pendant des années et qui conçoivent, après tout, c'est des enfants mal formés, des enfants tarés. Et donc, ce sont eux, généralement, qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à s'y remettre aussi facilement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les psychologues, les psychiatres. Donc, la première des choses que moi, je peux recommander d'abord, c'est de consulter. Consulter d'abord et puis choisir dans la société quelqu'un et en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez parler de vos problèmes et qui peut éventuellement vous orienter. Mais la meilleure des façons, c'est d'aller en consultation auprès des spécialistes qui pourront éventuellement vous dire les démarches ou bien les manières à faire pour pouvoir subvenir à ces problèmes, mais qui sont des problèmes sociaux. Si vous êtes un père de famille ou un papa et vous n'avez pas de situation, supposons que vous êtes un chômeur,
et subitement votre fils tombe malade. Là, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à s'en sortir. Surtout quand vous le voyez dans un cas où vous ne pouvez pas sortir, dépenser l'argent pour lui, c'est très difficile. C'est un des cas. Aussi, il y a le social où l'État met à leur disposition. Quand tu as un problème, tu parles, tu suggères qu'on peut t'aider. Là, ça sera le début d'une solution. Par exemple, au moment des accidents, on arrive difficilement à gérer lorsqu'il n'y a pas les sous, proprement dit, pour subvenir aux besoins de la personne. Par exemple, lorsque la personne a une fracture, une scissure comme ça, donc on n'arrive pas à trouver les sous parce que la personne n'a rien habituellement. Ce qu'on sort, on vit de nos pertes quotidiennes. Donc on n'arrive pas à économiser. Donc au moment d'un accident, on n'arrive pas à trouver des sous adéquats pour subvenir aux besoins, pour subvenir et au traitement efficace de la personne. Le malheur de la vie, c'est que bon, si tu commences à faire quelque chose et si ça ne marche pas, ou bien ça ne te permet pas d'aller en avant, donc c'est ça qui est le malheur de la vie. Et en plus, si ton enfant est tombé malade, ou bien ta femme est tombée malade, ou bien toi-même tu es tombé malade, donc ça donne des problèmes et tu ne peux pas s'en sortir. Pour s'en sortir dans tous ces malheurs-là, bon, c'est l'argent. Par exemple, beaucoup de gens, ils ont des ambitions, mais ils ne trouvent pas celui qui va le financer. On n'a pas de support et on n'a pas de moyens. Bref, je peux dire, ça provient de nous-mêmes. Parce que l'homme même va se jeter dans quelque chose. Après tout, tu vas avoir certaines pensées, jusqu'à ça va t'arriver. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si tu es vraiment conscient, et tu ne t'éloignes pas en plus des gens aussi, surtout aussi la famille aussi. Ça dépend de la famille dans laquelle tu viens. Et comment vous vivez dans la famille. Certains états, tu peux t'en sortir. Ceux qui sont victimes déjà, on ne va pas les abandonner. Ils doivent s'approcher de leur famille. Bref, les gens qui sont en normal, nous aussi, on ne va pas les abandonner. On ne va pas les laisser. On doit être tout le temps avec eux, les conseiller, vivre ensemble. Ça peut changer leur vie. La perte d'un proche, là, ça traumatise aussi. Souvent, la personne et la famille et tout. Et en plus, bon, si on n'a pas la situation financière aussi qui cause tout, et quand on n'arrive même pas à s'occuper des enfants, de tout, là, ça engendre en nous une difficulté tellement qu'on n'aura même plus envie de faire quoi que ce soit dans la vie. On serait toujours fatigué. Bon, on pose souvent des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on remet tout à Dieu et on prie Dieu même. Ça ne va pas. On peut les appeler pour les parler, les sensibiliser de certaines choses dans la vie, mais ça ne va pas les guérir. C'est eux-mêmes qui doivent se prononcer. Voilà, professeur, vous les avez écoutés. Quelle est votre réaction? Justement, les conditions qui doivent permettre à un sujet victime d'un événement psychotraumatique pour qu'il rebondisse, qu'il se reconstruise dans la vie, eh bien, c'est ces conditions-là qu'ils ont évoquées. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour pouvoir se réparer, nous avons besoin d'aide matérielle, sociale, familiale et même financière. Et si ça manque, ça empêche tout individu de pouvoir rebondir. Mais les phénomènes psychosociaux dont ils ont parlé ne sont pas en eux-mêmes des facteurs traumatogènes. Ce sont des facteurs qui peuvent aggraver ou empêcher un individu atteint de se reconstruire, en fait. Donc, il faut bien faire la différence. Le traumatisme dont nous parlons ici, il faut que l'individu soit face à la menace de son intégrité physique ou à la mort, qu'il soit victime ou bien qu'il soit témoin d'un événement pareil. Donc, il faut faire la différence. Il faut faire la nuance. Voilà. Très bien. Alors, une personne victime d'un tel événement, un événement psychotraumatique, quelles sont les attitudes ou bien les comportements que cet individu pourra avoir? Voilà, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a plusieurs phases.
Vous savez, Carole, si un lion tombe dans cette salle ici... Nous allons tous courir. Ah ben, pourquoi pas? Mais c'est que chacun va réagir selon sa personnalité et selon l'expérience vécue dans le temps. Intérieurement. Et justement, et comment l'individu a par le passé pu résoudre certains problèmes urgents. Donc, vous voyez, dans l'immédiateté, ce sont ce qu'on appelle les réactions d'adaptation. C'est tout à fait normal. Les premiers réflexes. Exactement, c'est physiologique, c'est biologique. Ça permet au corps, à l'individu, de s'adapter à ce phénomène dangereux. Et c'est quelque chose qui est inné en nous. Absolument, c'est biologique, c'est physiologique. Le cœur va battre, certains vont crier, on va transpirer. Ça, ce sont des réactions d'adaptation qui sont tout à fait normales chez un individu. Mais il y a d'autres qui ne sont pas adaptés. Dans ce cas, on parle de stress dépassé. Et dans ces cas de figure, on peut trouver des gens totalement momifiés, sidérés, sur place, tétanisés, incapables de mouvoir. Vous voyez, d'autres vont faire ce qu'on appelle une fuite panique. C'est l'exemple d'un monsieur qui cultivait dans son champ et qui a vu un minibus dérailler et aller dans la brousse à une centaine de mètres de lui. Et ce monsieur a pris ses jambes à son cou. Il a fallu le rattraper sur 500 mètres pour le raisonner. Ouais, c'est la fuite panique. D'autres deviennent très agités et d'autres carrément vont avoir un comportement d'automate. C'est-à-dire, je donne l'exemple, des assaillants avaient attaqué un véhicule, ils ont bien mitraillé le bus, et on se rend compte que quelqu'un qui a échappé sort du bus et commence par marcher comme un automate vers la brousse où les gens ont tiré. Donc il ne sait même pas ce qu'il faisait. Voilà. Donc c'est un comportement d'automate. Ça sont des réactions de stress dépassé qui méritent une prise en charge spécifique. Ça, ce sont les réactions immédiates dans les 24 heures. Maintenant, après les 24 heures, tous ces symptômes dont j'ai parlé peuvent s'estomper. Et dans la phase post-immédiate, c'est-à-dire du deuxième jour au 30e jour, soit ce qu'on a vécu, les réactions qu'on a présentées s'estompent. D'autres, chez d'autres, dans la phase immédiate, ils ne vont rien présenter, mais par la suite, ils vont présenter des symptômes pareils. Et malheureusement, chez certaines personnes, eh bien, après un mois, deux mois, ils vont présenter ce que nous appelons le syndrome de stress post-traumatique, l'état de stress post-traumatique, et qui est malheureusement très pathologique et qui peut durer des années si on n'a pas pris en charge. Très bien. Professeur, je voudrais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière par rapport à l'exemple que vous venez de donner tout à l'heure sur l'automatisme. Voilà. Quelqu'un qui, face à un danger, normalement, doit réagir, crier ou bien rester tétanisé. Alors, lorsque le danger est passé, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, et lorsqu'on a mitraillé le véhicule et à l'intérieur, il y a eu quelqu'un qui est sauvé. Absolument. Et il sort et il agit comme un automate. Exact. En ce moment-là, il est guidé par quoi? Est-ce que ce n'est pas son cerveau qui le guide vers là? Il n'y a pas une sorte de contradiction? Quand je suis face à un danger, je cherche des échappatoires. Maintenant que je suis vraiment... Mais est-ce que c'est le même cerveau qui me guide vers le danger maintenant? Justement, vous voyez, dans ces conditions, le cerveau se déconnecte carrément de la réalité. Ok. Le cerveau se déconnecte. Il se déconnecte et le sang va affluer vers les organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, la respiration, pour vous tenir en vie. Mais vous ne raisonnez plus. Et c'est caractéristique de la mémoire traumatique. Donc, en fait, les gens sont confus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans la réalité. Vous voyez, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Donc, il faut du temps pour qu'on les raisonne, qu'on les ramène à la réalité. Une sorte de perte de repère. Exactement. Exactement. Et bien, voilà. Alors, et que peut-il se passer quand on est confronté de façon répétitive à des événements traumatiques? Alors... Peut-on avoir, par exemple, l'idée de suicide? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, quand on a été victime à un événement unique, on peut rebondir, on peut s'en sortir.
Mais lorsque les événements psychotraumatiques se suivent dans le temps, sur le plan chronique, eh bien, on devient fragile, vulnérable. Et on peut perdre ses repères, on peut développer des pathologies. Et il y en a qui font la dépression, comme vous l'avez dit. Il y en a qui tentent de se tuer. Malheureusement, il y en a qui vont faire face à des problèmes sociaux graves, perte d'emploi et même perte de production. Et certains vont se mettre aussi dans l'addiction, l'alcoolisme, et la drogue par exemple, ou dans des comportements asociaux. Après des échecs répétés à l'école ou au niveau professionnel, eh bien, ils vont se mettre donc dans des comportements de délinquance. Et c'est extrêmement difficile de faire le lien de cause à effet. C'est-à-dire que l'événement psychotraumatique s'est passé peut-être il y a 5 ans, mais il est extrêmement difficile de faire un lien entre ce que vous avez vécu et votre position actuelle. C'est ça. Donc, ça veut dire que l'impact de ces événements sur le sujet doit être variable en fonction de la nature des événements vécus. Je confirme, mais c'est aussi en fonction de la personnalité. C'est-à-dire que c'est là où nous parlons de la résilience. La résilience chez un sujet, c'est quoi? C'est cette capacité qu'un sujet a de rebondir après être tombé très bas. Cette capacité que le sujet a de se ressaisir, de revivre, de reprendre une vie normale malgré les difficultés qu'on a eues. Et cette résilience, elle a beaucoup de caractéristiques. Elle dépend de notre personnalité, de comment nous avons éduqué, comment nous avons été préparés à vivre les événements difficiles dans le passé et quels sont les moyens que la famille, la société a mis à notre disposition pour pouvoir résoudre les problèmes. Vous voyez, mais aussi cette résilience, elle peut être acquise du fait que nous avons eu des difficultés par le passé et nous avons eu un accompagnement psychologique ou social. Vous voyez, donc face à un même événement, eh bien, certaines personnes peuvent être traumatisées, d'autres non. Maintenant, face à des événements répétitifs, notre vulnérabilité augmente et nos défenses finissent par s'affaiblir et nous pouvons tomber malades. C'est ça. Ok, et nous avions rencontré toujours dans la rue deux citoyens, vous les avez d'ailleurs remarqué tout à l'heure dans les micro-totoirs, ils reviennent pour nous donner deux exemples concrets, des exemples basés sur des faits réels sous forme de témoignages. Nous allons les écouter et donner après la parole aux spécialistes pour voir si tout ce qu'ils ont dit relève des événements psychotraumatiques. Et il s'est fait qu'une fois, j'étais au Gabon, quand quelqu'un m'avait demandé un service. Or, c'était un escroc. C'est vraiment une longue histoire. Bon, j'ai commencé par l'aider et finalement, ils m'ont pris 1 200 000. C'était les anarchos. Il a demandé à ce qu'on aille à l'ambassade, à ce qu'on achète un produit. Tout ça n'avait pas de suite. Et ils se sont enfuis. Mais un jour, Dieu faisant, je l'ai retrouvé. Et c'est un grand réseau dans lequel même il y avait un blanc. Et ce blanc m'a demandé pardon de ne pas me présenter à la police. Et il a restitué ce qu'ils avaient volé. Ils me l'ont redonné. Donc, vraiment, c'est un fait qui m'a marqué. Là où je parle, mon fils a été renvoyé de l'école à cause de l'écolage. Mais je n'ai pas eu la possibilité ou les moyens de le soutenir ou d'aller payer. Alors qu'il a un examen à passer. Vraiment, ça pèse trop sur moi. Et la fois dernière, vraiment, c'est triste qu'un frère ou bien un oncle, il a eu un accident, il s'est cassé la jambe. Habituellement, il est à l'hôpital de Danéha. Mais on arrive difficilement à trouver des sous pour pouvoir le traiter. Depuis 3 ou 4 semaines, et il est toujours là. On cherche des sous de gauche à droite. Et ça nous est difficile. Ou trouver du secours pour pouvoir arriver à son traitement efficace. Parce que là, il n'y a plus de faire de plâtre, mais c'est pour suivre une opération. C'est un cas vraiment qui nous est vraiment difficile à traiter. Il faut trouver une solution à ces problèmes. Il serait préférable qu'on, au moins, que chaque jour, si on peut trouver un moyen quelque part, au moins économiser 1 franc ou bien 25 francs par jour, par personne, ça peut nous aider
à subvenir à ces gens d'accident, à ces gens de victimes. Parce qu'avoir le nombre de la population, si tout le monde arrive à trouver au moins 25 francs par jour, chaque jour, avec l'appui du gouvernement, on doit arriver au moins à sauver les vies qui sont dans la nécessité. Voilà, cher monsieur, votre idée n'est pas mal du tout. Professeur Dassa, pensez-vous que les faits tels qu'ils l'ont relaté peuvent-ils être classés effectivement dans les événements psychotraumatiques avec des conséquences probables, bien évidemment? Oui, oui. Je prends le premier que vous avez interviewé. Mm. Il a subi un événement de vie malheureux. Il a été escroqué. Mm-hmm. Il a été dépouillé. Il en a souffert. Mm. Mais cela ne rentre pas dans le cadre du psychotraumatisme dont nous parlons. Mm-hmm. Je rappelle que pour parler du psychotraumatisme, mm-hmm. il faut que l'individu soit face au réel de la mort mm-hmm. ou face à une menace contre son intégrité physique. Mm-hmm. Par contre, le deuxième qui a fait un accident mortel, il mm-hmm. s'est cassé la jambe, mm-hmm. il est un blessé physique, mais aussi c'est un blessé psychique. Oui, dans ce deuxième cas, eh bien, c'est un événement psychotraumatique. Mmh. Et le malheureux, il doit être pris en charge aussi mmh. physiquement que psychologiquement. C'est ça. Voilà. OK. Alors, après un événement psychotraumatisant ou bien psychotraumatique, est-ce que les deux peuvent se dire, professeur? Absolument, les deux se disent. Très bien. Alors, est-ce que la reprise des habitudes de vie ou bien le retour à la vie normale est facile? Ça dépend de chaque individu, mais après un événement extrêmement violent, mm. c'est difficile. Et ça dépend aussi de la résilience dont j'ai parlé tantôt. Tout à l'heure, oui. Et ça dépend aussi de la prise en charge immédiate que le sujet a pu avoir. Mm. C'est-à-dire que dans ce cas, vous savez, il y a une intervention immédiate dans les 24 heures. Mm. Normalement, quand il y a un accident de bus, il y a des noyades ou un accident d'avion. C'est une urgence. C'est une urgence en ouais. même temps que les urgentistes, les sapeurs-pompiers, ouais. les secouristes arrivent. Ouais. Normalement, il faut associer une cellule d'urgence médico-psychologique qui puisse évaluer les blessés psychiques. Mm-hmm. Je vous rappelle que tout blessé physique est aussi un blessé psychique. Lorsque vous parlez du blessé ou bien du psychisme, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous lions le psychisme avec un blessé qui est là, c'est l'image traumatique qui est dans le cerveau, en fait. Mm. C'est-à-dire, physiquement, vous voyez qu'il est blessé. Et à vue d'œil, est-ce que vous pouvez remarquer que psychiquement, ou bien comment on Absolument. Dit, le mot existe, je ne sais pas, et vous le remarquez également. C'est le rôle du psychologue ou du psychiatre de faire une évaluation sur l'état mental du sujet blessé mm. pour faire un tri, voir ceux qui sont blessés psychiquement mm. et ceux qui sont indemnes et pouvoir faire les soins adéquats. Et justement, c'est le rôle de la cellule d'urgence médico-psychologique mm. d'aller sur le terrain dans les 24 heures mm. qui suivent un événement psychotraumatique. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'avec l'aide de Handicap International, mm. il y a 2 semaines, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en train de mettre en place des cellules d'urgence médico-psychologique dans toutes les régions sanitaires du pays. Ça n'existait pas avant? Non, formellement non. Mmh. Mais elle est en train d'être installée et la première équipe a été mise en place il y a 2 semaines dans la région des Savanes. Elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que désormais, s'il y a un accident, un événement psychotraumatique de masse, mmh. en même temps que les sapeurs-pompiers où les urgentistes vont sur le terrain des théâtres, eh bien, ils peuvent s'associer. C'est celui d'urgence médico-psychologique mmh. que nous avons formé et qui est opérationnel mmh. et qui permet en même temps de calmer la souffrance psychique des gens, qui permet d'abraser et d'éviter que les conséquences ultérieures mmh. puissent être graves. C'est-à-dire qu'il faut prévenir un stress post-traumatique en réagissant rapidement dans les 24 heures ou dans les 48-72 heures, mm. par un. Nous avons des techniques okay. qu'on appelle le désamorçage, ou encore le diffusing en anglais, mm. ou encore le debriefing. Mm. Et avec ce debriefing, c'est une thérapie qui permet d'aider les victimes à exprimer leur vécu et à extérioriser le traumatisme et justement à revenir dans le réel des vivants.
Parce que celui qui est victime, eh bien, il est pratiquement considéré comme mort. Il s'est considéré comme mort au moment du choc. Donc, il faut qu'il revienne dans le monde vivant. Et nous avons cette technique spéciale qui permet de le ramener dans le monde vivant. Que vous pratiquez séance tenante sur place. Voilà. Cela se fait dans les 24 heures. On fait ce qu'on appelle le diffusing. Mais deux ou trois jours après, on fait le debriefing. Et tout le monde peut le faire, il suffit d'être formé. Et dans l'équipe que nous avons formée à Dapon, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, et il y a les organisations de la société civile. C'est ça. C'est justement comme les secouristes. C'est ça. C'est des techniques qu'on apprend et qui aident énormément. Et c'est fondamental, hein? Absolument, c'est très fondamental. Et c'est ça qui prévient le stress post-traumatique dont je vous ai parlé tantôt. C'est très efficace. C'est ça. Ouais. Alors, la reconstruction de soi dont nous parlons ce soir, elle se fait comment? Alors, justement, il faut prévenir les conséquences à court, moyen et long terme de ces événements. Et lorsque, sur place, l'intervention a eu lieu, je veux dire l'intervention médico-psychologique, en même temps que l'intervention des urgentistes et des secouristes, Lorsqu'elle a eu lieu, cela permet déjà de prévenir et d'atténuer la souffrance. Mais lorsque la souffrance psychotraumatique est déjà installée, nous avons des prises en charge spécifiques qui se font et qui aident le sujet à se reconstruire. Et pour ça, il s'agit des psychothérapies spécifiques. Être médecin ou psychiatre, psychologue ne suffit pas. C'est ça. Mais il faut avoir une formation en victimologie, il faut avoir une formation en psychotraumatologie. En tout cas, il faut avoir été formé. C'est ça. Et dans ce cas, il y a plusieurs thérapies qui sont extrêmement efficaces. La plus commune qui se fait le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que... Vous nous avez promis de vous exprimer dans un français facile, maintenant, là, vous faites sortir de gros mots et nous, on ne comprend plus rien, professeur. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, vous savez, lorsque l'individu est traumatisé, il garde en image l'événement traumatique qui le hante. Alors, il s'agit, dans ces conditions, de relier cet événement et qu'il a dans le psychisme à une attitude de vie de tous les jours qui lui permet de banaliser et de ne plus en avoir peur. Et cela se fait. La deuxième thérapie extrêmement efficace, là, c'est un mot barbare, c'est l'EMDR. L'EMDR, ça signifie simplement que on associe les mouvements des yeux avec l'image du traumatisme que l'individu a suivi. Et en associant le mouvement des yeux, plusieurs mouvements, et cette image, on désensibilise le sujet au traumatisme. C'est-à-dire que l'individu banalise et devient insensible à la douleur. Il y a aussi l'hypnose qu'on peut pratiquer. Dans l'hypnose, c'est une technique très spéciale qui permet à l'individu d'être dans un état mi-conscient, mi-inconscient et d'effacer de sa mémoire l'événement qu'il a vécu. Et enfin, il y a aussi des psychothérapies extrêmement variées que beaucoup peuvent faire. Mais en même temps, je peux vous dire aussi le rôle extrêmement important des groupes de parole. Les groupes de parole que tout le monde peut faire, ça dit qu'on rassemble une dizaine de personnes ayant vécu le même traumatisme. Des témoignages, des échanges, de pratiques, voilà. D'expériences. Quand c'est arrivé, comment est-ce que j'ai réagi? Exactement. Comment est-ce que je m'en suis sortie? Exactement. Et ces groupes de parole sont très efficaces et pour aider les gens à vraiment vivre avec, si on ne peut pas s'en débarrasser, ou alors atténuer la souffrance et se retrouver dans un monde où finalement nous sommes solidaires. Donc c'est la solidarité et la présence des autres, l'accompagnement et surtout, vous voyez, chez nous, dans les pays africains, lorsqu'il y a un phénomène difficile dans une famille, vous verrez que les gens affluent vers la famille endeuillée et le seul fait d'être avec, même sans rien dire, la présence, elle est très thérapeutique. Ça compatit. Exactement. Donc, il s'agit de la même chose aussi en cas de psychotraumatisme. Vous voyez, donc, l'individu peut se reconstruire à 100%, à condition
Et là, ceux que vous avez interviewés l'ont bien dit. Il y a la personnalité elle-même, sa capacité à se reconstruire, mais aussi il y a l'aide que l'entourage va lui apporter. Quand je parle d'aide, c'est la présence, c'est la solidarité, l'aide matérielle, l'aide sociale, l'aide relationnelle, mais aussi l'aide financière. L'accompagnement dans tous les sens. Il est très important. Absolument. Alors, professeur, ce soir, est-ce que vous voulez nous dire que la psychothérapie est pluridisciplinaire? Absolument. La psychothérapie, elle est... Disons que le soin ou bien la réparation en cas de psychotraumatisme exige une assistance multidisciplinaire. C'est ça. Chacun dans son domaine pourra aider. La justice aussi peut aider en réparant. Exemple d'un autobus. Les dommages, voilà. Il faut réparer les dommages si le véhicule est assuré. Le seul fait que la victime soit dédommagée, ça participe à la réparation. Vous voyez, et puis la solidarité humaine également. Et vous avez vu dans l'interview que vous avez faite, les gens, eh bien, ils n'ont pas les moyens pour assister celui qui est actuellement à l'hôpital. Donc, l'assistante en matériel, en vivre et en non-vivre aussi, participe à la reconstruction des victimes, des populations victimes de ces catastrophes. Voilà. Merci beaucoup. Nous ouvrons à présent la page COVID-19 de cette émission. Si je prends la situation du 19 août 2020, le nombre de cas de coronavirus retrouvés dans le pays depuis le premier cas au mois de mars s'élève à 1190. Et ces 1190 cas sont répartis sur toutes les territoires. Donc il y a certaines préfectures qui sont plus affectées que d'autres. Globalement, c'est le Grand Lomé, c'est-à-dire la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguenivé, qui prennent le plus gros lot, puisque nous avons dans la préfecture du Golfe 565 cas et dans la préfecture d'Aguenivé 114 cas. Si nous montons dans la région maritime, il y a deux préfectures qui sortent du lot. Il y a la préfecture du Bas-Mono qui est à 24 cas et la préfecture des Lacs, 15 cas. Dans la région des plateaux, il y a également deux préfectures qui sortent du lot. Il y a la préfecture d'Akebou, qui a 31 cas, et la préfecture de Logou, 19 cas. Dans la région centrale, nous avons la préfecture de Tchaoudjo, qui a 110 cas, et la préfecture de Mo, qui a 20 cas. Dans la région de la Kara, également deux préfectures qui sortent du lot. Il y a la préfecture d'Assoli qui est à 51 cas et la préfecture de la Kosa qui est à 42 cas. Et enfin, dans la région de Savane, sur les 7 préfectures, il y a également 2 dont les cas sont nettement plus élevés. Il s'agit de la préfecture de Saint-Cassé et la préfecture de Tandjouaré qui ont chacun 15 cas. Lorsque, dans la sortie du professeur Djibril, il a quand même expliqué la situation, surtout de la préfecture d'Assoli, la préfecture de Tchaoudjo aussi. Et on a constaté que à la sortie des festivités de la Tabaski, qu'on a vu qu'il y a eu de nouvelles flambées dans cette préfecture-là. Donc, on peut dire que ça rentre dans le cadre où les gens continuent à se regrouper en grand nombre et ils évitent de respecter les mesures barrières qui sont édictées pour faire face à cette pandémie. Et sûrement, on peut expliquer ces flambées par ce phénomène-là. Les personnes déclarées guéries de la maladie au coronavirus, au COVID-19, ne doivent effectivement pas faire objet de stigmatisation.
Parce que quand on déclare une personne qui a eu le COVID-19, on l'a suivi et on l'a déclaré guéri de cette maladie, cette personne est complètement exempte du virus. Il n'y a plus le virus là dans l'organisme de la personne. Donc la personne peut rentrer dans la population et on peut avoir, tout en continuant à respecter les mesures barrières, on peut avoir les relations qu'on avait déjà avec cette personne-là. En tout cas, cette personne n'est plus du tout un risque pour son entourage. Le soutien psychologique est un élément très, très, très important pour plusieurs raisons. Celui qu'on déclare avoir le COVID-19, on peut tous comprendre la peur que ça peut engendrer chez cette personne-là. La peur du virus même, la peur de l'issue de sa maladie. Hein? On a entendu sous d'autres yeux comment la maladie a fait des ravages, beaucoup de personnes sont mortes. Donc quelqu'un à qui on dit qu'il a le COVID-19, il ne sait pas comment l'évolution va être. Donc c'est très important, ce soutien psychologique. Et également, l'avènement de cette maladie-là, nous tous on voit ce que ça entraîne comme conséquence sur le contexte économique. Et les gens ont des chutes de revenus. Et chez certaines personnes même, malheureusement, si dans une famille, il y a quelqu'un qui décède de COVID-19, vous savez que, par exemple, chez nous, on organise des funérailles en bonne et due forme, et tout ça là n'est plus possible parce que cette personne-là décédée est toujours un risque. Donc, toutes ces situations-là font que aussi bien le malade même que son entourage a besoin vraiment d'un fort soutien psychologique. C'est un événement qui n'est pas du tout facile à gérer. On a été tous informés sur les dégâts que la maladie a causés dans certains autres pays. Et donc, c'est pour ça que dès le début, quand on a dit qu'on a trouvé le premier cas au Togo, tout le monde avait peur. Parce que quand tu as le COVID-19, comme je l'ai dit, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que tu peux en guérir? Est-ce que malheureusement, tu ne vas pas succomber? Donc, ça fait que c'est un événement vraiment qui doit vraiment beaucoup troubler ceux à qui ça arrive. Voilà, vous avez suivi à l'instant docteur Didier Yao Debé qui a répondu à certaines de nos questions. Et c'est juste pour vous faire comprendre que le coronavirus, il est là et nous devons désormais apprendre à vivre avec ce virus-là. C'est ce que on affirme les spécialistes de la santé. Raison de plus pour continuer à nous protéger et protéger aussi les autres. Professeur Dassa, vous l'avez écouté, docteur Debé l'a affirmé. Une personne infectée du COVID-19, c'est un événement psychotraumatique. Est-ce que vous confirmez? Affirmatif. Et mon collègue Didier a exactement dit ce qu'il fallait dire. Vous savez, face au coronavirus, nous sommes confrontés au réel de la mort. Donc, c'est un événement psychotraumatique. Et non seulement il est psychotraumatogène pour l'individu qui en est atteint ou qui est soupçonné, mais il est aussi très traumatique indirectement au niveau des dépendants, c'est-à-dire les enfants, les conjoints, les collègues de bureau et presque tout le monde dans le quartier, puisqu'il sera stigmatisé. Et vous voyez, voilà pourquoi au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'équipe dynamique de prise en charge est associée à une équipe de prise en charge psychosociale. Et cette équipe psychosociale très dynamique fait un énorme travail de profondeur au niveau des enfants, des familles, de ceux qui sont en quarantaine ou ceux qui sont dans l'isolement, et même parfois par téléphone. Et c'est extrêmement important d'appuyer les familles et les enfants sur cette pandémie-là. Alors, vous êtes psychiatre, professeur Dassa. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre la santé mentale et le COVID-19?
Absolument. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez que c'est une maladie infectieuse, virale. Mais en même temps que les organes sont atteints, le mental aussi est atteint. Mmh. Comme toutes les maladies chroniques, comme toutes les maladies aiguës et graves, cela a un impact direct au niveau de la pensée, au niveau des émotions et au niveau de la santé mentale. Mmh. Donc il y a un lien. Ok, tout à l'heure, vous parlez des soins spécifiques liés à la thérapie lorsque survient ces événements dans la vie d'un individu. Alors, ici, chez nous, au Togo, est-ce qu'il existe des soins, non pas des soins, j'allais dire, des centres appropriés pour la prise en charge des victimes de ces situations-là? Absolument. Parce que vous avez dit, c'est maintenant que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en train d'installer des cellules. Sur l'ensemble du territoire. Et avant, lorsque se souviennent des événements comme ça, on a connu des inondations dans ce pays. Absolument. Les gens en ont été victimes. Oui, mais ils ont été pris en charge. Vous savez pourquoi? Ce que nous sommes en train de formaliser existait avant. Et je vous informe que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place dans presque toutes les structures de santé, de Lomé jusqu'à Dapaon, dans les hôpitaux régionaux, il existe une unité de santé mentale. C'est ça. Et cette unité de santé mentale prend en charge toutes les affections relevant de la santé mentale, y compris les troubles, y compris les addictions, c'est-à-dire les phénomènes de toxicomanie. Oui. Mais aussi, elle prend en charge également ces pathologies liées aux maladies chroniques. Donc, cela existe depuis avant même l'avènement du coronavirus. Et ce que nous sommes en train d'installer actuellement, c'est tout juste une formalisation de ce qui existait un peu avant, avec une formation très accentuée sur tout ce qui est urgence sanitaire en général. C'est ça. Mais aussi sur le coronavirus en particulier. Tout à fait. Donc ça veut dire que lorsque j'espère que cette situation de pandémie va finir. Ouais, on l'espère tous. Voilà, et lorsqu'elle aura fini, il existera toujours cette cellule pour d'autres urgences sanitaires. C'est ça. Ouais. OK. Les événements douloureux que nous vivons, quelle que soit leur nature, ont toujours des conséquences sur notre vie. Ces événements peuvent porter atteinte à notre état de santé et engendrer certaines maladies. Vous avez écouté le professeur Dassa l'a effleuré en disant que des maladies peuvent survenir à la suite d'un traumatisme chronique si la prise en charge n'a pas été efficace. Alors, quelles sont ces maladies et quelles seront les conséquences sur le plan social? Écoutons les explications du docteur Sonia Kane Katua Agbolo. Elle est médecin psychiatre. Nous l'écoutons tout de suite dans la première partie de l'interview qu'elle nous a accordée. Les événements psychotraumatiques vont avoir des répercussions donc au niveau sanitaire, au niveau social. Mais au niveau sanitaire, qu'est-ce que nous allons avoir? Il va s'agir de développer certaines maladies psychiatriques. Par exemple, vous aurez un état de stress aigu. Là, en général, cet état de souffrance se passe dans le premier mois suivant l'événement. Vous pouvez avoir un état de stress post-traumatique, donc après le premier mois, en allant même plusieurs années après. La vie reprend comme elle était avant et brusquement, un an, deux ans plus tard, la personne développe un état de stress. Bon, je vous passe les différents symptômes. Vous avez aussi un trouble de l'adaptation. La personne, après l'événement, là, n'arrive plus à bien vivre. Je donne l'exemple d'une catastrophe naturelle qui se passe, une catastrophe comme un tremblement de terre, par exemple. Même quand la personne est relogée ailleurs dans un environnement stable, la personne va développer certains symptômes, par exemple un trouble du sommeil.
une anxiété qui sera là, qui ne va pas lui permettre de pouvoir vraiment avoir une vie paisible, même quand l'événement est déjà passé. Vous avez même des troubles du sommeil, clairement, simplement comme ça. La personne ne développe aucun autre symptôme, mais présente des troubles du sommeil. On a aussi d'autres troubles, nous appelons ça des troubles psychotiques. Hein. Ce sont des psychoses qui peuvent se développer également. Et surtout si la personne avait déjà eu affaire à certaines maladies, après l'événement traumatique, ces maladies peuvent revenir également. Ces maladies psychiatriques sont là, mais à côté, il y a aussi des maladies somatiques, que nous on appelle somatiques, parce que si le mental ne va pas bien, le corps aussi n'ira pas bien. Donc la personne va pouvoir développer une hypertension artérielle aussi, ou bien faire ses crises d'ulcère. Ce genre de maladies, nous les appelons des maladies psychosomatiques. Donc c'est quelques-unes des maladies ou bien une des conséquences sanitaires que nous pouvons citer. Sur le plan social, vous comprenez qu'un événement qui survient et qui perturbe la stabilité mentale de quelqu'un, la personne n'aura plus les mêmes capacités pour pouvoir interagir avec son entourage. Quand j'ai parlé du sommeil, par exemple, une personne qui dort très mal, vous voyez qu'elle sera irritable, elle sera très nerveuse. Et ça va amener des disputes dans l'entourage, alors que c'est juste parce qu'elle ne dort pas bien. Ça va de la simple dispute, des simples conflits au niveau familial jusqu'à au niveau de l'absentéisme. Une personne qui tombe malade, qui a une conséquence psychiatrique ou psychosomatique, par exemple, elle va s'absenter de son travail, elle va aller chercher des soins, elle va dépenser pour ça. Donc au niveau des conséquences sociales, des événements traumatisants, on peut citer ces quelques exemples-là. Professeur, vous êtes professeur, certainement que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, ou bien tout ce qu'elle a dit... C'est exact, c'est ma collègue de bureau. Mm. Eh bien, je fais remarquer que toutes ces conséquences qu'elle a citées n'adviennent que si, au départ, l'individu n'a pas été pris en charge précocement. Mm. Et je rappelle aussi que, heureusement, que... Ce n'est pas devant tout événement psychotraumatique qu'on développe tous ces symptômes. Mm-hmm. Donc, au moins 80% des sujets survivent et rebondissent après ces événements. Et si un debriefing dans l'immédiat ou le post-immédiat a été bien conduit, si des groupes de parole ont été organisés, s'il y a un soutien médical, psychologique, qui a été mis en place, cela a permis de réduire et d'éviter toutes ces conséquences. Mm-hmm. Mais souvenez-vous, je l'ai dit aussi, ces événements psychotraumatiques, quand ils n'ont pas été pris en charge, eh bien, rendent vulnérable l'individu. Mm-hmm. Si bien que certaines maladies dormantes... Et l'affaiblit. Exactement. Et ouais. Certaines maladies dormantes peuvent se réveiller. C'est ça. Et ce n'est pas encore la fin du monde. Mm-hmm. Malgré ça, une prise en charge adéquate peut être faite dans tous les hôpitaux du Togo grâce à la mise en place des unités de santé mentale dans tout le pays. Alors, la période de détresse ou bien de désespoir que vivent les personnes victimes de ces événements est-elle en soi une période de maladie avant que les conséquences ne s'y ajoutent, professeur? Non, heureusement, je vous ai dit que face à un événement psychotraumatique, il y a une réaction tout à fait normale. Donc, c'est une réaction d'adaptation à l'urgence. C'est-à-dire que le corps réagit par un stress normal. C'est-à-dire que le cœur s'emballe, la respiration augmente, il y a un taux d'adrénaline qu'on accumule et cela permet à l'individu soit de fuir ou d'affronter l'adversité. Voilà. Donc, ce sont des réactions d'adaptation tout à fait normales. Et d'ailleurs, quand nous sommes sur le terrain, eh bien, nous expliquons aux victimes que ces réactions sont tout à fait normales et attendues de toute personne qui a vécu un événement soudain. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas encore une maladie. Cela ne devient maladie que si
les symptômes persistent au-delà et n'ont pas été pris en charge et s'aggravent par le temps. Heureusement, c'est des réactions d'adaptation qui sont tout à fait normales et qui s'estompent avec le temps. Avec le temps. Voilà. Et avec la psychothérapie. Avec la prise en charge, l'accompagnement psychologique, tout peut rentrer dans l'ordre sans que l'individu ne tombe malade. Mais certaines personnes qui ont vécu des situations traumatisantes n'arrivent pas facilement à surmonter l'événement vécu. À quoi cela peut être dû? Des difficultés qui entraveraient, par exemple, je ne sais pas, la remise. Hein, est-ce que c'est la remise? Oui, le retour à la vie normale de la personne. Ça, vous voyez de ces cas-là, professeur? Absolument. Nous en malgré vos efforts pour redonner vie à la personne, mais c'est difficilement que la cicatrisation de la plaie se fasse. Oui, effectivement, hein, ça fait partie de la vie. Vous voyez, devant le même événement, certaines personnes s'en sortent magnifiquement bien, tandis que d'autres vont en pâtir. Il s'agit de la même façon aussi pour la prise en charge de toutes les maladies en général. Il y a certaines prises en charge qui sont extrêmement efficaces et qui permettent à certains individus de récupérer le plus tôt possible. D'autres récupèrent, mais avec le temps. Et malheureusement, chez certaines personnes, ça devient chronique et ils doivent vivre avec. Maintenant, dans le cas spécifique du psychotraumatisme, je vous ai dit en tant que, en partie, c'est lié à la capacité de chaque individu à rebondir. Et cela dépend de ses antécédents, des expériences vécues. Mais aussi, je vous ai dit, cela dépend aussi des conditions sociales, familiales, matérielles, mises à sa disposition pour l'aider à se réparer. Voilà. Et je vous ai parlé aussi sur le plan juridique, la réparation. Oui. Sur le plan médical, l'accompagnement. Il faut que la personne ait des moyens de se soigner. Et il faut que l'individu aussi soit placé dans un contexte de solidarité familiale. Et si ces conditions n'existent pas, eh bien c'est comme si l'individu était dans un contexte qui favorise la maladie ou qui aggrave la maladie. La maladie. Voilà. D'accord. Alors, des études scientifiques ont prouvé que l'écoute bienveillante, dénuée de tout jugement, est un facteur majeur pour surmonter les difficultés liées à un événement psychotraumatique. Est-ce que vous confirmez? Affirmatif. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons sur le terrain lorsque nous intervenons avec les secouristes sur le terrain. Je vous ai dit tantôt, on fait le débriefing. Le débriefing veut dire écouter les gens sans les culpabiliser. Et d'ailleurs, nous le disons. Sans les juger. Sans les juger, sans les culpabiliser, sans chercher de coupables, sans chercher le sorcier. Et nous le disons d'emblée que cela arrive. Maintenant, l'essentiel est d'exprimer le vécu, ce qu'on a pensé, ce qu'on a vécu, pour que ça puisse être partagé. Donc, même au niveau de la famille aussi, il faut soutenir la famille. Et je vais vous indiquer que lorsque quelqu'un est victime de psychotraumatisme, c'est un sujet qui est victime directe. Maintenant, il y a des victimes indirectes dont on n'a pas parlé. Les victimes collatérales? Exactement, mais aussi, c'est aussi la proche famille. La proche famille qui n'était pas sur le terrain, qui n'était pas dans l'accident, mais dont un membre est affecté. C'est ça. Mais c'est aussi les secouristes eux-mêmes. Les secouristes qui arrivent, qui voient les blessés le terrain, en sang et qui voient ces images, ils sont traumatisés. Peuvent être traumatisés. Oui, ils sont traumatisés. Mais c'est aussi les médecins qui soignent les urgences, qui voient le sang, les jambes brisées et qui doivent recoudre dans le sang. Eux aussi, ils sont traumatisés. Facile. Toute l'équipe de l'urgence, c'est des gens aussi qui sont des blessés indirects. Mais c'est aussi vous, les médias. Vous qui allez sur le terrain, vous filmez les horreurs. Voilà. Ben, il y en a qui ressassent, il y en a qui vivent des événements. Il y a des images qui restent. Qui restent, et vous aussi, vous devez être pris en charge. Et nous aussi, là, c'est le dirigeant médico-psychologique. Vous voyez, finalement, c'est toute la population. Qui va prendre en charge qui? Exactement, ben, c'est nous tous. Nous évoluons dans cette émission avec le tout dernier sujet dans ce genre de situation. Je vous rappelle que nous parlons ce soir des événements psychotraumatiques et la reconstruction de soi. Alors, dans ce genre de situation, un
accompagnement est plus que fondamental. Et ce n'est pas professeur Dassa qui dira le contraire. Alors, quel type d'accompagnement les personnes marquées douloureusement par les vicissitudes de la vie ont besoin pour se reconstruire? Et quels sont les conseils dont elles ont besoin pour sortir de l'ornière et positiver leur vécu ou bien leur existence? Nous allons réécouter Dr Sonia dans la seconde partie et la dernière partie de son interview. L'accompagnement, comme je l'ai dit, par rapport aux conséquences sanitaires et sociales, donc va être de plusieurs axes, autant sur le plan sanitaire, autant sur le plan social, socio-économique. Donc au niveau sanitaire, ça va être un accompagnement psychiatrique, un accompagnement psychothérapeutique. Psychothérapeutique surtout, parce qu'il ne s'agit pas juste de traiter au niveau médicamenteux. Il est important de suivre une thérapie, et notamment ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qui sont vraiment indiquées, mais il y a bien d'autres thérapies également. Malheureusement, les gens laissent voler là, mais c'est important de pouvoir aller au fond et puis se reconstruire, effectivement. Sur le plan social, donc l'accompagnement, je dirais c'est d'abord de reconnaître ce genre de maladie, de comprendre que ça a un impact sur le travail et de pouvoir ménager les agents pour qu'ils puissent suivre correctement leur thérapie, leur traitement. Je vais dire le tout premier accompagnement, c'est de pouvoir réduire au maximum possible la survenue de ces événements. Il y a plusieurs événements. Donc, ce qu'on peut réduire, genre les maltraitances, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter. On ne peut pas éviter, par exemple, le corona, il est là, on ne pouvait pas l'éviter. On va devoir s'adapter, mettre les stratégies en place pour y faire face. Mais par exemple, une maltraitance, ça, on peut éviter parce que ça aura des répercussions autant immédiates qu'à long terme. Les conseils, c'est, je dirais tout d'abord, c'est de reconnaître qu'un événement a eu de l'importance dans notre vie. C'est d'abord ça. Parce que si des gens dénient cela, de toutes les manières, le mental, lui, il reconnaît qu'il a été touché. D'accord? Donc, reconnaître déjà que tel événement que j'ai eu à vivre ou bien dont j'ai eu à être témoin, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et qui peut avoir de l'influence sur ma santé. Et c'est de demander de l'aide au niveau des professionnels de la santé mentale, de demander de l'aide autour de nous, même si on n'a pas directement un personnel de santé mentale, mais il y a des personnes ressources autour de nous qui peuvent accompagner. La troisième chose, c'est de pouvoir mener au bout la prise en charge. Très souvent, on remarque qu'on commence et dès qu'on a un soulagement, rapidement, on arrête le traitement. Le traitement, il est à la fois médicamenteux, il est psychothérapeutique et il est sociothérapeutique aussi. Donc, c'est de pouvoir vraiment accepter la prise en charge sur tous ces axes. Autre chose, c'est de pouvoir pratiquer les stratégies d'une bonne hygiène de santé mentale. Déjà, ça commence par là. Par rapport aux stupéfiants, aux alcools, les drogues, les réduire, sinon arrêter complètement. Complètement dormir à des heures régulières et puis à une quantité suffisante pour son corps. Et pouvoir vraiment positiver, cultiver vraiment tout ce qui peut nous aider à nous sentir bien sans faire sentir l'autre mal. Donc c'est ce que je peux dire par rapport aux petits conseils. Voilà, professeur, dans tout ce qu'elle a dit, nous pensons bien que le soutien familial est le plus important, doit être le plus important. Le soutien familial. Absolument, je pense que
cette solidarité, cette complicité familiale, elle est tout à fait indiquée pour non seulement l'éducation des enfants, vous voyez, mais aussi pour la bonne santé du couple, mais aussi de toute la famille. Et comme je le dis souvent, vous voyez, la santé mentale, comme elle l'a dit, c'est un équilibre avec soi-même et un équilibre avec les autres. Et lorsqu'un membre de la famille ou lorsqu'un ami a perdu le sourire, il faut lui prêter le vôtre, car il vous le rendra toujours. C'est ça. Et vous voyez, moi je pense qu'il n'y a pas mieux que la culture de la paix. La paix dans l'environnement familial, la paix dans l'environnement professionnel, communautaire, mais la paix aussi dans l'environnement du pays, la société. C'est ça. Et elle est inqualifiablement la plus efficace pour vraiment rendre les gens en extrême bonne santé. Vous avez tellement bien parlé que je ne peux plus vous demander de conclure cette émission. J'ai senti la conclusion déjà dans ce que vous avez dit. Alors, merci professeur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin de ce numéro de Santé d'abord. Merci pour votre fidélité. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Merci à notre invité. Nous étions sur ce plateau ce soir avec le professeur Dassa Colum Valentin Charles. Il est médecin psychiatre et stress counselor, c'est-à-dire il est psychologue. Traumatologue. Merci professeur, on se dit à bientôt. Merci Carole, au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi prochain, mais d'ici là, retrouvez l'émission Santé d'abord en version Mina le samedi à partir de 21h, mais vous pouvez déjà revoir cette émission le jeudi, la rediffusion je veux dire, à partir de 14h15. Merci à l'équipe technique à la tête avec M. Cathy. On se dit au revoir. Excellente suite de programme sur la première. À bientôt.